Bien, donc je passe à la question 28. Donc c'est une question, là encore, assez formelle, puisqu'il s'agit d'adopter le règlement intérieur suite de notre conseil municipal, suite à la création de la commune nouvelle. Donc en effet, conformément aux dispositions du CGCT, toute commune de plus de 3500 habitants doit se doter d'un règlement intérieur. Donc le conseil municipal définit librement le contenu du règlement intérieur, avec bien évidemment un certain nombre de dispositions obligatoires, comme les modalités de consultation des dossiers soumis à délibération, le régime des questions orales formulées par les conseillers municipaux en cours de séance, mais aussi celles qui fixent l'organisation du débat d'orientation budgétaire. Donc le présent règlement intérieur est structuré en plusieurs thèmes, notamment les travaux préparatoires, la tenue des séances, le débat ou les débats et le vote des délibérations, les commissions et les comités consultatifs et les dispositions diverses. Donc ce règlement intérieur que vous avez pu lire finalement, c'est la reprise de notre ancien règlement intérieur, donc de la commune historique d'Avranches, et que nous proposons à nos collègues de la commune déléguée de Saint-Martin, qui n'en disposait pas, je ne crois pas. Hein. Voilà, donc c'est un règlement intérieur qui se veut particulièrement large, puisque nous le savons, la réglementation aujourd'hui, notamment sur ces règlements intérieurs, préconise un plus grand nombre possible de dispositions de façon à ce que la démocratie puisse s'exercer sereinement et sainement au sein de nos conseils municipaux. Je ne sais pas si vous avez des observations néanmoins, avant que nous passions au vote. A priori, c'est bon. Donc je vous propose de passer au vote cette question numéro 28. Y a-t-il des personnes qui votent contre ? Madame oui. Leroy, je vous écoute. Oui. Non, parce que je l'ai lu précisément, le règlement intérieur. J'ai quelques remarques à faire. Allez-y. Le principe d'une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier fixé en début d'année, en principe le lundi à 19h. Oui. Donc je remarque que depuis la création de la commune nouvelle, nous avons un calendrier des réunions du conseil municipal, ce que nous demandions depuis 2014 et que nous n'avions jamais réussi à avoir. Autre remarque. Très bien, ben voilà, vous voyez, on s'améliore toujours. Merci. Et merci de le signaler. Par rapport aussi au fonctionnement des commissions municipales, est-ce qu'il y a une représentation proportionnelle ? Parce que ce n'est pas notifié. Ou est-ce que c'est libre ? Parce que lorsqu'il y a eu donc l'installation du conseil municipal et puis la désignation pour les commissions, vous nous avez bien fait remarquer que c'était la proportionnelle et que nous n'avions que c'est le principe qui est retenu, sièges. Mais vous voyez bien qu'aussi on élargit le cas échéant. On est tenu, donc ça ce sont les dispositions réglementaires du CGCT. Voilà. Après, comme vous le savez, nous ne rechignons pas à ouvrir les commissions à qui veut, avec bien évidemment l'obligation de ne pas participer à une délibération, en tout cas à un vote qui permettrait d'aller vers un avis. C'est des choses que vous connaissez bien, qui se pratiquent déjà et qui, me semble-t-il, fonctionnent. Encore une fois, on essaie d'être, comme je l'ai dit en introduction, d'être le plus ouvert possible dans l'élaboration de ce règlement intérieur. Alors, au niveau des comptes rendus des commissions, c'est vrai que dans la mesure du possible, je demande que ce que je dis en commission soit marqué. Et je trouve que c'est pour la richesse des débats, c'est intéressant que les interventions des conseillers municipaux soient relatées dans les commissions. Dans les commissions. Alors qu'il faut faire la demande à chaque fois et ce n'est pas obligatoirement fait à chaque fois. Alors vous savez que... Et ça prend du temps, mais je trouve que sur le plan aussi historique, si on veut rechercher dans les commissions qui a dit quoi et ce qui a été dit en réalité plutôt qu'un compte-rendu ordinaire, je trouve que ça, c'est l'avis des commissions. Et ça, je trouve que c'est important. Je suis d'accord avec vous. Après, vous savez bien que la retranscription de l'ensemble des débats, surtout dans une commission, elle peut être parfois complexe, puisque plusieurs personnes parlent en même temps, ça me semble difficile d'être totalement exhaustif. Mais je pense, malgré tout, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont retranscrites dans ces comptes rendus de commission, et qu'éventuellement, si vous trouviez qu'un propos n'a pas été rapporté, il serait possible de compléter. Surtout une chose importante. Après, En général, oui. Alors, autrement, au niveau de la commission AVAP, je me permets de vous faire remarquer quand même qu'elle ne s'est pas réunie depuis plusieurs mois. Oui, alors si vous savez. Si ce n'est pas depuis peut-être une année ou une année et demie. Alors, il ne faut pas exagérer. Peut-être une année. Quand même.
Alors, vous savez, vous en connaissez les raisons. Vous avez eu quand même. Vous avez eu le départ de l'architecte des bâtiments de France, qui est une personnalité incontournable de cette commission. Le poste est resté vacant pendant toute une bonne partie du dernier semestre de l'année précédente. Et Madame Nathalie Dangle, qui a été nommée donc à la fin de l'année dernière, prend ses marques. Et en effet, cela a pris du retard. Mais que voulez-vous ? C'est comme toute chose. Il y a des choses qui se font parfois très vite, et puis d'autres qui avancent lentement. Je pense que la constitution d'une AVAP est quelque chose qui prend du temps. Si vous regardez d'autres communes qui sont engagées dans des démarches similaires, vous verrez qu'elles prennent aussi leur temps, et je pense que c'est bien. Vous aviez d'autres points, peut-être, Madame Leroy ? Oui. Allez-y. Alors, au niveau de l'article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales, c'est marqué. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Donc, je me permets de poser une question orale qui a trait aux affaires de la commune. Nous venons de délibérer pour renouveler des adhésions, des Alors, conventions. Alors, oui, mais, je suis d'accord. Dans ces cas-là, il faut quand même qu'on avance sur la question. Donc, c'est après. Et après, oui, parce que là, ça devient une question dans la question. D'accord. Donc, est-ce que vous avez fini vos observations ou pas? Donc, bien sur le règlement intérieur. Une commune nouvelle, parce que c'était mis Ville d'Avranches. Mais bon, ça sera modifié. Est-ce que j'avais d'autres remarques? Non, c'était essentiel, celle que j'ai donnée. Allez-y, parce que j'ai non, pas. Non, ça y est, j'ai donné les. Donc sur le. Donc sur le règlement intérieur, est-ce que vous avez des observations à formuler, sachant qu'il reprend encore une fois celui qui avait été voté en 2014. Côté Saint-Martin-des-Champs, c'est bon. Bien, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui votent contre ce règlement intérieur ? A priori, non. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, éventuellement ? Donc pas d'abstention. Donc notre règlement intérieur du Conseil municipal est adopté à l'unanimité.